Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur les résultats du challenge Apart Missa 7. Ouais, c'est ça, c'était Apart Missa 7. Donc je vous rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, j'ai pris un appartement qui se situe à San Melchuno, qu'on a eu dans le pack Vie Citadine. Et l'appartement, en fait, eh ben, on le refait tous ensemble. Donc chaque fois, je vous mets une nouvelle pièce. La dernière fois, c'était une chambre parentale que je vous avais demandé. Et là, cette fois, je vous avais demandé une chambre d'enfant. Et donc, on va voir toutes les personnes déjà que je vais présenter aujourd'hui. Et à la fin, je vais vous montrer la chambre que j'ai choisie parmi vous. Donc, on commence tout de suite cette présentation par Kylie74 et la première chambre. Donc, cette chambre, je l'aime beaucoup parce que c'est un côté fille. T'as mis plein de décorations en plus, donc c'est vraiment super. Et t'as le côté garçon. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et puis voilà, on distingue vraiment les deux côtés. Et j'aime beaucoup. J'ai failli ne pas pouvoir présenter cette vidéo en plus parce que j'ai... La galerie, ça fout le crash. Enfin, ça fait que planter. C'est horrible. En plus, les hashtags ne fonctionnent plus. Donc ça a été très très compliqué. Donc il faudra... Faudra qu'on s'organise pour la prochaine fois autrement. Mais bon, j'ai réussi à faire cette vidéo. Donc si, voilà, j'espère que vous n'allez pas être trop déçus si je ne présente pas tout le monde. Mais rien que pour déjà mettre tout ça, il m'a fallu très longtemps. Donc voilà. La deuxième chambre a été créée par Eric. Donc Eric, encore une fois, une très jolie chambre pour une petite fille, ou deux petites filles d'ailleurs, pardon. Mais elle est très très belle cette chambre aussi. Vous m'avez fait des super chambres et c'est vrai que ça a été très compliqué de choisir. Parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Donc d'ailleurs, vous saviez, la dernière fois c'était pareil, j'avais hésité fortement entre deux créations. Et vu que j'hésite beaucoup dans vos créations, et bah je pense en fait que je vais créer un deuxième appartement avec vos créations. Donc il y a l'appartement qu'on est en train de faire ensemble et je garderai des pièces moi sans vous le dire. Et je vous ferai voir le deuxième appartement une fois que je l'aurai fini de mon côté également, en prenant vos pièces. Donc je pense qu'il y aura deux apparts. Donc la troisième pièce a été créée par Borelius. Donc Borelius, toujours des idées de dingue. Et là il nous a sorti un lit en hauteur avec... C'est, vous savez, c'est les petits sofas qu'on a vu, ça dans le kit des enfants, je crois. Ouais, c'est ça, le kit enfant. C'est trop bien pensé. Mais j'ai vu ça, j'ai fait, oh, pourquoi j'ai pas eu l'idée? C'était trop bien pensé. Donc j'ai adoré tes escaliers, encore une fois. Une chambre originale, de toute façon, c'est vraiment le style, ton style. Et j'aime énormément. Donc encore une, voilà. J'aime cette chambre. Quatrième chambre a été créée par Sarah777. Donc là encore une fois, une chambre originale. Vous avez un côté fille et un côté garçon. Et là c'est pareil, t'as réussi à créer des escaliers qui sont assez originales avec ces meubles. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette idée aussi. Pardon. Donc bravo à toi. On passe à la chambre suivante, et la chambre suivante a été créée par Keke972. Donc encore une fois, une très belle création avec une super chambre. J'adore ce nounours, je le trouve tellement beau. Il est trop beau. Plein de petits détails, enfin super jolie cette chambre. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, j'aime l'idée de mettre ça et de mettre... Ça fait super bien, ça ressort trop bien. Bonne idée, bravo. Après, on passe à Maya8562. Et là encore une fois, un lit en hauteur avec des escaliers que vous avez créés. Donc là, tu as pris ces meubles. C'est les mêmes meubles qu'on a vus dans l'autre chambre, voilà, pour vous retrouver. Mais vous avez... J'ai eu plein de chambres, voilà, avec des lits en hauteur, où vous avez créé des trucs. Et c'est ça, j'adore. À chaque fois, vous me sortez des trucs de fou, c'est trop bien. Avec la télé ici. C'est trop, trop bien. T'as même fait un petit coin bambin.
Donc là, on a l'enfant et le bambin, on a les deux. C'est pour ça que je vous dis, c'est très dur à décider dans vos pièces. Hein. C'est vraiment très dur. Après, on passe. Alors, attendez que je ne me mélange pas comme d'hab. De toute façon, je ferai comme la dernière fois, j'effacerai. Après, on passe à Clo-Clo 07. Et donc là, une chambre pour une petite princesse. Enfin, moi, j'ai imaginé ça comme ça, plus pour une petite fille, une petite princesse. Avec son petit coin ici. J'avais fait une petite chambre de princesse. Elle est très jolie, cette petite chambre. On continue nos visites et on passe à la création de Panthère Black. Donc là, encore une fois, plus une chambre de bonhomme. Et mais les couleurs, voilà, c'est super. Avec deux lits, là, on a le petit coin avec les fauteuils, les bibliothèques, le coin pour dessiner. J'ai beaucoup aimé cette chambre aussi. Je les aime toutes, en fait. C'est incroyable. Non, puis le sol aussi. Le tapis, ça ressort super bien comme ça en grand. Après, on passe à la création de Baby Space 71. Et là, j'ai pensé à une chambre d'enfant avec plein de désordre. C'est trop bien. Et c'est ça que j'avais jamais pensé à le mettre. Et c'est vrai que ça ressort très bien dans une chambre d'enfant. Donc c'est vrai un plus pour ça, parce que si j'avais jamais pensé à mettre ça ou remarqué même. Puis même penser à mettre le radiateur, c'est vrai que j'y pense jamais. Moi, il faudrait que j'y pense plus à mettre des radiateurs. Ouais, super cette chambre. Elle fait très réaliste. Après, on a la chambre de Léa, la basketteuse, pardon. Et là, encore une fois, une chambre toute mimi pour deux petites filles. Elle est trop mignonne, cette petite chambre. Elles sont belles, ces lampes, je les aime beaucoup. Ah, après, on passe à une chambre que j'ai énormément aimée aussi, celle de Pretty Make 31. C'est les couleurs. Ouais, ça fait un peu. Enfin, moi, je suis partie quand j'ai vu cette chambre. En fait, c'est la chambre, quand je la vois, il faut que ça m'invoque une histoire. Il faut direct que je pense à quelque chose. Et donc là, bah, j'ai pensé, ouais, direct à. J'ai imaginé deux jumeaux, un peu dans le style pas gothique, mais un peu rebelles. Voilà, qui jouent de la musique. Ils ont leur PC de geek, ils ont leur tas de DJ. Mais ouais, j'ai direct imaginé le truc avec cette chambre et j'aime énormément cette chambre. Donc bravo à toi. Après, je viens de me rendre compte que j'avais mis une deuxième chambre de Borelios. Mais écoutez, quand vous voyez cette chambre, bah vous êtes obligé de la prendre et c'est vrai que je viens de me rendre compte que c'était également Borelios. Écoute, bah, deuxième création pour toi, mais cette chambre. Ça fait vraiment chambre féerique. Vous voyez souvent, enfin moi, c'est souvent que je vois sur Internet des parents qui s'amusent à créer des chambres avec des thèmes pour leurs enfants. Genre dernièrement, j'ai vu, il y avait un papa qui avait recréé un bateau de pirate. Ou j'en ai vu un, oh, c'était trop beau, c'était un papa qui avait créé une cabane, mais une cabane féerique. Donc en fait, la chambre de sa petite fille, ça faisait vraiment féerique. C'était magnifique ce qu'il avait fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah oui. C'est vraiment une chambre comme ça. Ça fait une petite chambre pour une petite fée ou une petite princesse. C'est trop beau. Et c'est très bien fait. Après, on passe à Chloé Princesse 34. Et là, bah pareil, j'ai bien aimé parce que tu as séparé. T'as là. Hop, tu as. Zut, si je mets pas comme ça, on va rien voir. Tu as un coin ici, donc avec un lit. Et tu as le coin ici, en fait, avec le bureau. Donc tu as séparé. Et j'aime bien l'effet des deux couleurs. Tu as du bleu et du rouge. Et ça va très très bien. Et deuxième fois que je me rends compte que j'ai pris encore la même personne. Donc écoutez, bah, c'est vrai que j'ai pris les créations qui m'interpellaient. J'ai pas vraiment regardé vos pseudos. Et je les ai mis. Puis je me suis dit, bah quand je présenterai, je vous dirai vos pseudos en même temps. Et donc, bah, excusez-moi, mais je viens de me rendre compte que nouvelle création donc de Eric. Mais elle est super cette chambre. Voilà, tu as repris un peu l'idée que j'ai présentée dernièrement, sauf que t'as mis ça toi dessous. Et ça fait super bien. Avec un lit de bambin, avec le bureau ici, on a les armoires comme là. Voilà, elle est trop belle cette chambre. Moi j'adore.
avec les peintures là-dedans. C'est trop beau le sol. Tu t'es amusé aussi à casser. J'étais obligée de la prendre, cette chambre. J'étais obligée. On continue, on passe à Manu 02240 Milou. Là encore une fois, une chambre que j'ai adorée. Et celle-ci, clairement, je vous le dis, je la mets de côté. Je vais pas vous dire si c'est la chambre que j'ai choisie ou pas de côté, donc je vais pas vous spoiler entièrement, mais celle-ci, je la garde. J'ai adoré le concept de tu mets ça au milieu, les meubles de cuisine là, t'as le premier lit ici, le deuxième lit là. J'ai adoré, enfin les bureaux comme ça. Elle est géniale cette chambre. Les couleurs, tout est parfait. Donc, bravo à toi encore une fois. Chaque fois, je te dis, j'aime beaucoup tes créations. Et je pense que tu as compris que voilà, c'était bien vrai. Ensuite, on passe à SamDLG77. Et là, bah, encore une super chambre avec du bleu et du rouge. On a plein de petits trucs. Ah, c'est pas mal d'avoir mis ça. C'est vrai que je prends jamais à le mettre. C'est bien ça. Avec le lit qui est ici. On a un gros robot là. Enfin voilà, ça fait super bien. Elle est bien cette chambre. La chambre ensuite de Chloé Jess 03. Une super chambre également avec une super idée de lit superposé. Tu as mis l'échelle de la piscine. Et j'ai adoré. Là, t'as même pensé à mettre ça dessous, la bibliothèque pour casser un demi-mur. Elle est super aussi, cette chambre. C'est toutes vos petites idées qui sont super bien. On poursuit par une chambre créée par Salomé 1801. Là, encore une fois, une chambre que j'ai adorée. Oula, direct, j'ai pensé. J'ai vu deux petites princesses, deux petites filles. Bah, j'imaginais encore deux jumelles qui étaient toutes mignonnes. Je les voyais, enfin je sais pas. Direct quand j'ai vu cette chambre, j'ai vu deux petites jumelles qui se ressemblaient mais comme deux gouttes d'eau, qui avaient leur lit à côté, qui les soirs se racontaient des histoires, étaient très complices. Voilà, encore une chambre où je suis partie dans mes histoires. J'ai beaucoup d'imagination quand je vois vos créations. Donc merci à vous. On poursuit par la chambre qui a été créée par BS Sonia 2711. Et là, encore une fois, une super chambre avec un lit superposé où tu as mis cette bibliothèque. Un autre lit ici. Ah, par contre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Si tu me permets, je vais juste mettre de la lumière pour qu'on la voie un peu mieux ta chambre. Voilà. C'est juste pour la présenter, c'est vrai qu'on la verra beaucoup mieux. Avec leur télé, ils ont leur petit coussin pour regarder la télé. Le bureau. Leur maison pour jouer, elle est super bien. Je trouve que ça fait une chambre mixte. Et c'est ça que j'ai bien aimé, on peut très bien imaginer des filles ou des garçons dans cette chambre. Donc bravo à toi. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de chambres. Voilà, par exemple celle-ci, on voit vraiment que c'est pour les filles. Et là, non, c'est mixte, donc j'ai bien aimé cette chambre. On poursuit par, bien évidemment, une création de Framboise Bleu 7. Une création que là aussi, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais voilà, il n'y a rien à dire, elle est beaucoup trop bien, cette création. Ça fait... Ouais, t'as donné... Je sais pas, elle est beaucoup trop belle. J'ai adoré l'idée voilà, de l'échelle avec ça. On a deux lits ici, on a leur canapé. Ici, on a le petit coin plus pour s'amuser. Là, c'est plus la coiffeuse. Non, encore des super idées. Puis même les couleurs et tout. Tout est très bien. Donc encore une fois, une super création réalisée par Framboise Bleu 07. Pardon, j'allais dire 07, 7. Et on poursuit. Chambre créée par Cora Perrine. Et là, bah, ça a été, je peux pas vous le cacher, mais mon énorme coup de cœur. Voilà, c'est cette chambre, je l'ai vue, j'ai fait, oh, elle est trop belle. En fait, vous avez
vous avez... en fait, la chambre est coupée en deux. Vous avez la première partie qui fait plus fille, plus classe, avec la coiffeuse, miroir, le bureau et son lit. Et vous avez la, donc, la première partie. Et vous passez ici, vous avez la deuxième partie où là, on voit vraiment que c'est plus une chambre pour un bonhomme, on va dire. Mais l'espace est tellement bien utilisé, les couleurs sont tellement parfaites. Là, au milieu, j'adore la séparation, j'aime les tableaux que t'as mis, j'aime tout. Ouais, ça a été vraiment mon coup de cœur dans cette pièce. Donc, bravo à toi. Puis par Madcar07, donc là, une chambre, plus de petites filles qui aiment les animaux. On voit des chiens, on voit des papillons. Voilà, une chambre de petites filles, trop mimi également. Après, on passe à une création créée par FabMood44. Et là, bah, j'ai bien aimé comme tu as mis les lits avec les bibliothèques. Là, ici, on a la porte. Pourquoi il y a deux portes? Là, ici, on retrouve le bureau. Voilà, elle est super bien, cette petite pièce aussi. Puis, par une chambre qui a été créée par Fanny Foxacera. Alors, désolé si j'écorche encore une fois vos pseudos. Et là, bah, j'ai bien aimé parce qu'elle est pleine de couleurs. On a l'arbre à chat avec le coin ici. On peut imaginer que cette fille est fan des chats. D'ailleurs, elle a même son lit avec les chats. Là, on a le coin brique. Donc, on peut imaginer qu'ils ont acheté cette maison. Que la maison, elle était en brique. Et donc, ils ont voulu garder des... Voilà, des bases de la maison de base. Enfin, je sais pas si... Oui, ça se dit pas. Bon, vous avez compris. Et voilà, et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette maison. Et qu'après, là, ils ont fait un mur qu'ils ont peint pour pas que ça fasse toute la chambre en brique. Donc là encore, je suis partie dans mon histoire quand j'ai vu cette chambre. Et voilà. Donc, merci à toi. On poursuit avec une chambre créée par Lulon. Donc là, une chambre très sobre et que j'ai beaucoup aimé également. Avec un lit en hauteur, avec le rideau, comme ça fait super classe, avec les meubles de cuisine. J'aime énormément. Là, on retrouve le petit coin bibliothèque. Ça fait super beau. Elle est très sobre et elle est très bien, cette chambre. On passe à la chambre de Frawin. Donc, Frawin, plus une chambre pour un petit bonhomme. Je suis plus partie pour un petit mec. Et avec ses constructions, ses jouets, chambre, voilà, toute simple, mais très belle également. Et il en faut pas plus, hein. Voilà, d'avoir pensé à mettre le miroir orange, parce que là c'était orange pour faire un rappel. Hein? Ah, après on passe à la chambre de MCP68. Et là j'ai adoré l'idée de ton lit. Truc de fou, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh !» Donc voilà, allez, tu as mis des armoires tout autour, là tu as mis ça. Ouais, ça fait un lit en hauteur, mais il est trop bien fait. C'est trop bien fait, c'est quoi que tu as mis là? J'ai même pas vu. Ah, c'est ça. C'est le pied des Sims 4 travail. Ah, c'est bien pensé, ça. Et après, ouais, tu as mis le lit. Ici, ouais, t'as mis plein de désordre. Ah, mais j'ai vu ce lit, j'ai fait. Waouh. Non, c'est super bien fait, hein. J'adore. Avec le petit coin bureau ici que t'as continué avec un autre bureau que t'as passé dessous en fait pour continuer. Alors attends, je le remets comme il était. Je suis en train de détruire vos chambres. Non, c'est une chambre pleine d'idées. Bravo. J'adore ton lit. On termine cette ligne par l'Awesome. Donc l'Awesome, c'est une chambre que j'ai bien aimée parce que bah, c'est la seule chambre où on a vu une salle de bain. Donc voilà, quand j'ai vu, bah, je me suis dit, faut que je la prenne. Et puis même les couleurs, ça fait super bien. C'est vrai que j'avais rien dit, on pouvait faire une salle de bain. C'était pas interdit. Donc bravo à toi.
plus que 4 et on a fini. Donc on passe à une chambre créée par Anticorp 42. Et là, bah pareil, encore une fois, une super chambre avec un lit superposé. Là ici, ce petit sofa que j'adore, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je sais pas pourquoi, je les adore, je les trouve trop beaux. Là, voilà, radiateur avec ses rideaux, ça ressort super bien. D'ailleurs, pensez à mettre une étagère là, oui. Là, ça fait super bien aussi. Ah ouais, tu l'as tourné en fait pour... Et t'as mis des posters dessus. Yes, que des bonnes idées. J'ai beaucoup aimé cette chambre aussi. Bravo à toi. La chambre d'à côté, pardon, a été créée par Blémil. Donc là, Blémil, encore une fois, un lit superposé. On retrouve un autre lit en bas. Et j'ai bien aimé les couleurs de cette chambre également, où tu t'es amusé aussi à créer un bureau d'angle. Là, ils ont leur petit coin avec un canapé. Voilà, plein de petites idées, plein de petites couleurs que j'ai bien aimées. Je trouve que ça se marie super bien ensemble. Et je l'ai déjà présenté. Hein. Bon, en fait, celle-ci, je la supprime parce que on l'avait déjà vue. Je l'ai mis deux fois. C'était celle de Maya. Je l'avais mis deux fois. Donc, il ne reste plus qu'une chambre à vous présenter. C'est celle de Cassie. Donc Cassie qui nous a créé une super chambre. Et là encore une fois, plein de petites idées à piquer par-ci par-là qui sont vraiment de superbes idées avec le lit. Là tu as mis c'est les fleurs. Les fleurs, le bureau, voilà. Ah, ça c'est bien pensé, c'est quoi? Ah, c'est bien pensé d'avoir mis ça et d'avoir incrusté les poufs dedans. C'est vrai que j'y pense jamais qu'à cette couleur pour ces meubles. C'est pour ça que ça m'a pas... Voilà. Ça m'a intriguée. Bon, voilà toutes les chambres que j'ai voulu présenter. Merci encore une fois pour toutes vos participations. Merci énormément. Vous avez été encore une fois super nombreux. Et à chaque fois, je suis super étonnée de voir qu'il y a autant de participants. J'espère que vous n'allez pas être trop déçus pour les personnes qui n'ont pas été présentées. Mais comme je vous ai dit, avec la galerie, là, j'ai beaucoup, beaucoup galéré. Et donc, je me suis débrouillée vraiment comme j'ai pu. Et j'espère qu'ils vont résoudre ça très prochainement. Ah, d'ailleurs, vous avez vu que je crois que le code pour débloquer les objets remarche. Il me semble, depuis la mise à jour, qui est tombée il n'y a pas très très longtemps... où on a eu des trucs pour Noël. D'ailleurs, je ne l'ai pas présenté parce que j'ai pas pu. Mais depuis cette mise à jour, le code remarche chez moi. Donc, je suppose qu'il remarche chez vous aussi. Ben, j'espère. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait hey, « Hé, hey, trop bien !» Bon, on passe tout de suite à l'appartement et je vais vous faire voir la chambre que j'ai choisie. Et donc, la pièce que j'ai décidé de mettre dans mon appartement est celle de Cora Perrine. Comme je vous avais dit, j'avais adoré cette chambre avec vraiment les deux côtés garçon-fille. La présentation était vraiment superbe et j'ai eu, comme je vous avais dit, un énorme coup de cœur pour cette chambre. Et donc, ben voilà. Donc on a déjà la chambre parentale qui était là, je vous la représente. Et maintenant, on a notre chambre d'enfant. D'enfant ou d'ado même, on peut se dire. Parce que voilà, on a vraiment le garçon-fille. Et bravo à toi, parce que j'aime énormément cette chambre. Donc, je lancerai très prochainement la suite. Donc, on passera au challenge 8. Et je vous mettrai, je crois... Non, on se fera la salle de bain. Elle est petite, on se fera la salle de bain. Et après, on terminera par l'énorme pièce. Ouais, on se fera la salle de bain la prochaine fois. Ça sera bien. Bon, j'espère en tout cas que vous allez être contents, que si je vous ai présenté et que je ne m'ai pas choisi, vous allez être quand même contents. Si je ne vous ai pas présenté du tout, j'en suis désolée et il ne faut pas m'en vouloir. Ne soyez pas déçus, retentez votre chance. Et j'espère que ce challenge vous plaise toujours autant. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt.